Salut à tous, c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Color Cross Online. Alors, aujourd'hui nous allons faire la grille de Barbara. À qui j'avais proposé le hibou. Voyons voir ce qu'elle nous a mis en retour. Alors, 15. 13, donc 13. Oups, on fait 11, 12 et 13. Et pour le 11... Voilà, du premier coup. Donc 9, 10, 11, 12 et 13. On le fera un petit peu plus tard. Là, on a du 2. Là, on a du 3. 2, 3, 3, 2, 2. Et là, on a du 1. Toc. Donc tout ça, je le grise. Voilà, c'est fait. Alors, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 2 et 1. Toc, 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 toc. D'ailleurs, tout cela, on peut les griser aussi maintenant. Hop. 3, d'ailleurs, on va faire celui-là. Oh là, doucement. Donc voilà, c'est fait. Et là aussi, c'est bon. Donc on a le 2 qui est ici. On a le 1. Donc là, c'est le 2 et là, c'est le 1. Là, on a un 3 et là, on a un 1. Voilà. Là, c'est le 3. D'ailleurs, on va faire tout cela. Comme ça, ça sera fait. Voilà, donc 2, hop. Là on a un 2, mais on ne sait pas trop où pour l'instant. Là on a un 2 qui est ici, donc le 1 est là. Là on a un 2, hop. Donc ça fait 2, 2, 2, 1, 1 et 2. Ok. Ensuite, le 1 est ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, hop, et le 2, il est là. Là, on a le 2, hop, donc là, on a 1. Donc là, c'est 2, hop. J'ai appuyé sur le bouton gauche. 3, hop, et 3. Des fois, le jeu n'est pas très... Voilà. Là, on a le 2 et le 2 ici. Donc là, et là, c'est bon. Le 1, on ne peut pas savoir pour l'instant, donc on verra plus tard. Ensuite, donc 2, c'est bon, ici. Là, on a 2, ici, le 2 est là. Hop, et là, c'est un 3. 3, 3, c'est fait. Donc, il restera 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, il nous restera 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc là, c'est sûr. On a notre 2 et notre 1. 1, 2, blanc, 1, 1, blanc, 1, 2. Donc là, c'est sûr. De toute façon, là aussi, elle est verticale. Alors, 1, 2, 2. Donc, il nous restera 2 et 3. 1, 2, blanc, 1, 2, 3. Toc. 3, c'est fait. 1, 2, 3, c'est bon, donc là on est sûr que c'est vide. 2, c'est celui-là. 2, hop, c'est celui-là. Donc 2 et 2. 3, c'est bon. Et là, il nous restera 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc c'est là. De toute façon, on a le 4 qui va jusqu'à là. 1, 2, 3, 4. 1, oula. 1, 2, 3, 4. Ok, on avance. Allez, je grise. Je vérifie. Donc le 3, c'est fait. Le 3 ne sera pas là. Le 2 non plus. Le 3, d'ailleurs. Donc on a le 6, on a le 2. Le 3 est ici. Donc le 4 peut-être n'importe où. 1, 2, 3, 4. Lui, il est là. Donc
on en profite pour griser les cases correspondantes. Là, on sait qu'on a du 2. Donc le 4 est ici. Donc le 3, lui, il va là. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Donc là, c'est un 2 et là, c'est un 3. Et le 4 est ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le 3, le 2, à mon avis, je pense que tout va être... Toc, toc. Là, je grise. Il y a une sorte de soleil. Voilà. 7, 9, 11. Bon, que ce soit une pieuvre, je sais pas. 1, 2, 3. J'ai pété jusqu'au bout. Et 8. Et puis la dernière couleur. On dirait qu'on a affaire à un diamant aussi. D-I-A-M-A-N-T. Dia. Décidément, deux diamants de suite. Il est pas mal. Mais je préfère celui de Coco. Parce que... Voilà, j'aurais pas fait celui de Coco. Je pense que j'aurais eu plus de mal à trouver que c'était un diamant. Il n'y a pas de texture, c'est juste un bloc bleu avec des traits autour. Là, on voit que c'est plus ou moins le support, mais bon. Mettre un petit 3 quand même. D'ailleurs, j'ai pas remarqué qu'il me proposait des... Non, il me propose pas de diamants. Je vais lui envoyer quoi ? Je serais bien tenté de lui envoyer une pieuvre. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très très facile. Je vais lui envoyer une reine. Et puis c'est parti. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Jouez bien. Bye bye.